Du coup, ça fait 5 bans. 5 bans sur Saken, qui est pour l'instant l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Ultimate, attention à Saken. Saken qui attend ici en chien de faïence, peut-il vraiment le faire avec Adam? Et oh, Saken oh, exécution from downtown. Attention, voilà. Oh, Saken, Saken qui a volé le drap. On sait que Prime n'a pas de flash. L'ulti, c'est rapide qui arrive. On va voir l'ulti. L'ulti Saken, let's go. Tu vas dire, let's go, doublé pour Targamas. On a expati. Le mouvement est incroyable pour Saleh. Il joue pour ses teammates. Et regardez, et même avec ça, il a 2 CS d'avance. Je pense que tu vois, toute l'équipe, on veut pas jouer les playoffs, on veut jouer bien plus que ça, et je pense que on en a vraiment les capacités. C'est terminé pour tout couille. Quel ulti de Saken. On va voir l'ulti, l'ulti sur Jack Troll qui arrive sur place. On a l'ulti sur Croft. Est-ce qu'on peut avoir un first boot sur Jack Troll? Comme prévu, sur Jack Troll. Il a flash, T'es un génie. Let's go. C'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur. Au moins, c'est la merde. Oh, mais droit. Il est en train de les humilier. Saken, t'es un monstre. Cours. Il va stun. What the fuck. Un génie. X-Machine. Deux frères, deux pauvres. Saken fort. La base, la double TP. Let's go. Empêchez les bacs. Tapez. Let's go. Attention à la shockwave, c'est ce qui peut faire tourner le fight des deux côtés. Ça va, Snikrov va supprimer Serpius. Il n'y a plus rien, plus aucune menace du côté des Misfits. J'attaque le clean up, les resets pour cette Jinx qui vient fumer les Misfits. On a la TP aussi, attention Scarlett qui va avoir beaucoup de dégâts là-dessus. On a un bon combo, la shockwave de Saken. C'est un double kill, Scarlett qui arrive quand même à s'en sortir. 2 pour 1. 3 en avant peut-être pour Adam, c'est risqué Saken. Avec le destin scellé qui va aller isoler Jack Troll, il se repositionne sur son ombre. Un nouveau bump, un superbe smash. Hook de la part du duo Targamas. Attends, double kill pour Saken. Est-ce qu'on peut transformer ça en triplé? Ce sera un triplé. Et la Jarvin qui retourne totalement. Satan est mort. Est-ce qu'on peut avoir Oulight? Oulight dans le corso? Non, il l'a pas encore récupéré. Il a un HP. Le Liadric va suivre. Let's go. Ça fait 3-0 pour la 14. 8-1. Saken est partout. Meganes roquette en plein milieu. Et Adam continue. Il encaisse le poke. Le réengage de Jack Troll. Mais il y a tellement d'avance avec le bord du chou impérial. Crucifié. Ils se font démolir. On se dirige. On avait le push sur le bot side. La partition impériale, c'est du velours. Jack Troll qui ne pourra rien faire. On va aller chercher le kill pour Saken. Le E qui va finir. Le Lex qui flash in. Le Lex, ça suffit pas. Derrière, on a Adam. Adam qui tank énormément. Saken, Targamas qui met le double bump. Saken la virgule. Saken la virgule. Ça fait 4 pour 0. Et ça va être un ace. C'est un ace. Sur Advien qui va très bien tanker avec son spell shield. On a Deadly qui va mettre un très bon culling, mais qui va pas faire énormément de dégâts. Saken, le recoil, il va se faire exhaust. Il va se faire Il va falloir avoir le temps de Zonia. Saken qui va regain. Saken qui va regain et qui va ressauter dans l'équipe. Saken, la partition impériale. 40 de KDA en 4 games sur Ryze en LFL. Et là c'est le fight, Saken qui récupère le premier kill. Saken qui commence à mettre ses marques. La stopwatch de Targamas qui va acheter beaucoup de temps derrière Adam qui est full life. L'ulti tick 2. Let's go, double triplé. Wow, ça rebondit partout. Let's go Saken. Quadra kill sur le Ryze. Targamas qui arrive, c'est Croft qui va tomber, lui et Karim qui va récupérer le kill, mais derrière il y a Adam, Saken qui va récupérer le duplex, le Zonia qui est magnifique pour Dodge, Saken, Adam et Targamas qui vont récupérer le deuxième kill, et Memento qui va tomber ici, c'est fini ma gueule, c'est fini. La engage de Adam qui est énorme, qui met beaucoup de dégâts, mais le Ragnarok qui va permettre de briser Saken. Saken qui va récupérer un kill. Allez, le deuxième et le Herald. Let's go. Très bon flank, le 3 contre 4, quelle confiance. Tout de même le flasher de Saken directement. On met Nukes dans le vent et le taunt de Targamas en couverture. Superbe stopwatch également. Kirei va devoir tomber. Pourra-t-il emporter Targamas? La réponse est non. Il a un niveau d'avance, pardon.
Il va trouver des gadgets sur Dritty, il faut clear les creeps pour pouvoir le toucher parce qu'attention. Ouh là là, les dégâts sont énormes. Mais attention, attention. La stopwatch, il est mort, il est mort. Je pense qu'il est mort avec Dritty. Il manque un tick de dégâts. Le Sakai. Oh, Sakai. Comment il fait ça? Mais quel dieu! Mais quel dieu! Déçu pub, attention par contre, Syncroft, il a plus grand chose, le flash de Syncroft pour se repositionner, attention à la téléportation, c'est Clooney qui arrive! Le spike et le kill sur le carapateur qui va lui permettre de régénérer énormément avec le triomphe, ça fait un kill, il faut survivre, c'est grave, il faut survivre, il faut se retourner sur Srenecton, le kick va être récupéré par Staken, Max Range, et on va se retourner sur Srenecton, let's go! Ça fait un triple kill pour le rise de Staken! On le sent, et ce qui réussit pour nous en fait, ce qui réussit pour chacun. Moi ça peut être par exemple la Rise, c'est un perso que j'aime bien. Il est midlife Dritty. Seken qui peut l'attraper, il a plus de flash sur God. Mais attention parce qu'il y a de la flashine. Seken qui va forcer le GA pendant ce là Adam qui est sur la backline. Il faut protéger Adam. Allez Syncroft, Syncroft va se faire. Il est mort, Dritty est mort. Smack est très long. Seken masque est envoyé. Seken qui va arriver dans la backline. Allez Seken, allez Seken, allez Seken. Oui, c'est bloqué, Seken. C'est bloqué. Triple kill. Voilà le clutch. C'est la fin. Voilà le clutch. C'est la fin. Oh, il téléporte le héros de la faille, c'est merveilleux. Oh là là, 4950 IQ. Fais la moula, Taken, fais la moula, fais la moula. Et la moula, et la moula, et la moula. Et la moula.